Bonjour à tous, bonne année et bienvenue sur Tarumacha DIY. Dans cette vidéo, on s'est dit qu'il serait grand temps de travailler un peu dans le salon. Et surtout autour de la fenêtre. Toutes les affaires que vous voyez là font partie du trésor que l'on a découvert. Et on va mettre tout ça de côté pour l'instant. Allez, c'est l'heure de commencer. Au-dessus de la fenêtre, il y a une zone de rangement. Ce qui est également le cas en dessous de la fenêtre. Et voici à quoi ça ressemble autour de la fenêtre. On s'est dit que ce serait sympa de garder ces zones de rangement, mais il faudrait quand même les rénover un petit peu. On va tout d'abord appliquer un revêtement autour des fenêtres. C'est un liquide, ma foi, bien opaque. Si l'on n'applique pas ce produit en amont, au moment de l'application du stuc, ce dernier va devenir jaune et non blanc. Pendant que cela sèche, on va poncer les colonnes. On va également rénover ces panneaux de fenêtres un petit peu plus tard. Un petit peu de ménage, parce que, n'oublions pas, ça n'a pas été fait depuis plus de 10 ans. Maintenant, on passe à la cire, afin de protéger et colorer le bois, que l'on va appliquer dans les futurs placards, ainsi que sur les colonnes. Et qu'est-ce que ça pue ? Oh, bah c'est gentil de venir m'aider, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on pose du ruban adhésif tout autour des fenêtres pour les protéger, afin d'y appliquer le stuc. Oula, j'espère que ça va le faire. Après la première couche, et après la seconde. Du bois. Encore du bois. Partout du bois. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer avec tout ça? Les portes des placards, par exemple? Ça devrait être haut comme ça. Non, attendez, c'est trop court. Ça? Où ça? Eh merde! Bon, aucun d'entre eux n'est assez grand, donc on va devoir en assembler deux ensemble. On va couper chaque bois en leur donnant cette forme en L. On va passer la scie circulaire à plusieurs reprises. Gentiment tapoter avec un marteau. Et peaufiner pour donner la forme voulue. Bon, je pense que ça devrait être assez long maintenant. Et pour l'attacher, on fait simplement deux petits trous, on y insère la colle et des chevilles en bois. On y met toute son énergie et on frappe. Parfait. Afin de boucher tous les trous, on va venir y appliquer cette petite pâte maison, et que l'on a faite en mélangeant la poussière de ce bois et de la colle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, 8 ? 8, 8... Ah bah oui, je suis con, il y a 4 portes. L'idée, ici, c'est de créer un pied similaire à celui-ci. Encore une fois, on va couper en cette fameuse forme en L. Il est important de faire en sorte que les coins soient légèrement arrondis, afin que les pieds puissent parfaitement entrer dans la structure du rail. Voilà à quoi ça ressemble actuellement. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Allez, on essaye! Les quatre pieds en même temps. Ça m'a l'air de bien fonctionner. Pareil sur le rail de derrière.
il est maintenant temps de focaliser notre attention sur le design de ces portes, en utilisant des restes de parquet. On va les couper de sorte à obtenir de longues baguettes très fines. Pendant que je ponce tout ça, lui s'occupe de créer un nouvel ajustement. L'idée est de créer de petits espaces sur le pied à distance égale, où l'on viendra y déposer les baguettes de parquet que nous avons coupées tout à l'heure. Maintenant, on applique la cire sur les baguettes, soit le dos du parquet, sur les pieds également, il est temps de passer à la partie assemblage. Alors, le dos du parquet va représenter le devant de la porte, ce qu'on va voir au final. Alors, ça doit se situer à une certaine distance. C'était combien déjà? Attendez, je vérifie. Vaguement au milieu. Ouais, c'est bien ça. Après avoir ajusté la première et dernière baguette, il est temps de poser de la colle. Ça, c'est donc le dos de la porte. On va le retourner. Bon, et ben, faut faire la même pour les trois autres portes qui restent. Une fois que la colle a bien séché, on va couper le bois qui ressort sur les extrémités, et ce, des deux côtés. On fait en sorte que ce soit tout joli, tout propre. Après avoir longuement hésité, on s'est dit que la colle ne serait peut-être pas suffisante. Du coup, on a décidé de faire des petits trous et d'y insérer des vis. Le scotch sur le foret nous indique jusqu'où on peut percer. Au moins, on est sûr que maintenant, les baguettes ne tomberont pas. Il est grand temps de poser tout ça. Ah, c'est super! Et en plus, ça coulait super bien. Une dernière étape pour aujourd'hui. Ou pour ce soir. Ces panneaux, rideaux, ou stores, enfin bref, comme vous voulez, que l'on appelle un shoji en japonais. Ah, des panneaux très classiques. Au début, on voulait complètement les retirer et y poser un rideau plus traditionnel. Et puis après, par la suite, on s'est dit « Ah, pourquoi pas les garder et juste changer le papier ?» Et celui-ci comporte des petits dessins en bambou. Ce shoji avait été fixé avec de la colle. On va donc utiliser de l'eau pour enlever le papier. Avec un pinceau, c'est beaucoup mieux. On va gentiment gratouiller pour retirer le reste de colle sur ce panneau. Et on fait la même avec le deuxième panneau. N'oubliez pas vos bonnes résolutions de cette année, dont l'un est de s'abonner à notre chaîne. Il est possible de trouver différents types de papier au magasin de bricolage. Et celui que l'on a choisi a des petits dessins de sakura dessus. Et on va l'attacher avec du double face. Il existe plusieurs manières d'attacher le papier sur ce panneau.
L'une des possibilités est de déposer du double face, comme ce qu'on est en train de faire. Une autre manière est de déposer de la colle, comme celui qu'on a retiré. Et une autre étape est tout simplement de dérouler le papier directement sur le panneau et de passer un petit coup de fer à repasser directement sur le panneau et pendant une demi-seconde. Comme nous n'avons pas de fer à repasser, eh bien on a opté pour ce système. Ce type de papier est également assez nouveau pour nous. Oui, parce qu'il est fabriqué en très grande majorité à partir de plastique. Et c'est censé être beaucoup plus solide et tenir beaucoup plus longtemps que le papier traditionnel. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Arrivez-vous à voir les petits sakuras, les cerisiers en fleurs ? On en a enfin terminé avec cette partie du salon. Dans un prochain épisode, une autre porte. Quelque chose d'important est en train de se produire. Ah, là, je sais pas. Ça travaille dur, comme toujours. Enfin bon, vous en saurez plus la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.